Bonjour à tous, on se retrouve enfin avec Hugo pour continuer notre petit let's play selon le challenge comme à la ferme des Psyplay. Oh, mais qu'est-ce que nous avons là? Le courrier? Non, les factures! Zut! Bon, tout se passait bien jusqu'à ce que les factures arrivent. Donc comme vous pouvez le voir, Hugo continue ses corvées. Mais il aime ça, je pense que, bon, même s'il est un peu paresseux sur les bords, ça lui plaît tout ça. Donc d'ailleurs, il y a eu quelques petits changements, pas mal d'évolutions, puisque j'ai beaucoup joué avec lui. Donc Hugo a développé un style de vie amateur de plein air, je ne pouvais pas rêver mieux. Et puis il a aussi une bonne réputation. Ça, je pense que c'est le fait de se sociabiliser avec pas mal de monde. Et ben ça paye, voilà, les gens l'apprécient. Alors, si on fait un petit tour rapide du jardin, donc vous pouvez voir que j'ai pas mal avancé sur le potager. Ah, mais Hugo, tu n'as pas pulvérisé ici. Tu feras ça aussi. Donc, j'ai utilisé ces petits pavés. Je trouvais ça assez sympa de délimiter ici les petites allées. Parce que je voulais pas non plus qu'il y ait des plantes partout. Enfin, je pense qu'après, je passerai toute ma journée en fait à travailler le jardin. Et bon, j'ai aussi envie que Hugo développe d'autres compétences. Donc le gros changement, c'est ce petit poulailler avec notre poule qui s'appelle Clara. Oui, vous savez très bien pourquoi Hugo a appelé sa poule Clara, hein, en hommage à Clara Bjergsen, bien sûr. Il l'adore, c'est sa nouvelle meilleure amie. Bon, par contre, moi j'ai super peur hein, parce que les renards rôdent. D'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas des œufs? Oui, tu vas venir ramasser les œufs aussi. Donc voilà, d'ailleurs, voici un renard. J'avais d'ailleurs pris un coq hein, pour la petite histoire en même temps que la poule. J'ai même pas eu le temps de lui trouver un nom qu'il s'était fait manger par un renard. Mais la poule, elle, Clara, a survécu. Oh, et puis voilà, faut que je vous présente aussi. Voici Réglisse. Oh, Hugo, oui, t'es pas très bien. Voici donc Réglisse qui miaule ici. Donc c'est une chatte. Hugo l'a adoptée via le service d'adoption des animaux. Et je m'étais dit que je ne prendrais un chat que s'il avait le trait prédateur. Et figurez-vous que Réglisse, non seulement elle a le trait prédatrice, mais elle est aussi esprit libre et gloutonne. Et je trouvais que ça allait parfaitement bien avec Hugo, qui est plutôt gourmand et solitaire. Et vraiment, ça a matché tout de suite entre eux. Donc bingo, c'était Réglisse et c'était pas un autre chat. Bon, c'est moi qui l'ai renommée, hein, Réglisse. Bah, Hugo a pas cherché bien loin. Elle a le pelage noir, donc tout de suite, hein, ça lui a fait penser à de la réglisse. Alors, gros changement aussi de ce côté-là. J'ai eu envie, parce que Hugo commence à avoir pas mal d'argent. Il faut dire qu'on récolte pas mal en ce moment. J'ai voulu installer déjà un petit abri pour la future vache que Hugo va adopter. Bon, elle n'est pas encore là. Et ici, je voulais commencer une petite grange pour pouvoir déplacer ensuite tous les éléments qui se trouvent ici. Oh là là, là aussi, il va falloir que tu fasses le nettoyage de la litière. Parce que c'est vrai qu'au niveau de la maison, j'aimerais. Oh non, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, non, pas la poule! Pitié! Oh là là, non! Oh, comment je vais faire? Chasser? Coco Bongo, franchement. Oh non! Oh non, j'espère que. Eh ben, c'est ma poule. C'est ma poule qui a eu le dernier mot. C'est bon, j'ai arrêté la bagarre, je crois. Oui, c'est ça. Pourtant, ici, j'ai interdit l'accès aux animaux. Je comprends pas. Verrouillé pour tous les animaux. Les renards, ils arrivent à rentrer quand même. Bon, tout va bien. Ouf, Clara est toujours là. C'est une coriace. Donc, je disais, ce que je voulais, c'est que Hugo puisse vider cet endroit. Allez, viens nettoyer la litière pour Réglisse. Puisque j'aimerais bien que ça devienne son salon et que vous voyez en fait cette ouverture ici sur le jardin, bah que je puisse la transformer en baie vitrée. Et je vais vous montrer à l'intérieur les petits changements. Alors ici, il n'y a pas tant de changements. Il va falloir que je commence à construire, mais c'est aussi pour ça. Oula, c'est pas top ici. Essayez de faire partir les mouches. Je ne savais pas qu'on pouvait avoir des mouches dans la poubelle. Oula, mais ça doit être parce que j'ai mis le trait de terrain. Oh non, il va pas mourir à cause des mouches. Hugo, non! Ouf! Oh, comme j'ai eu peur! Oh là là, mais c'est immonde! Oh, il y a des cafards maintenant! Mais c'est horrible! Je crois qu'on va mettre la poubelle dehors. Donc, je ne sais plus ce que je disais, mais voilà, j'attendais d'avoir aussi pas mal de simflouz pour pouvoir faire de beaux aménagements dans la maison. Pour l'instant, ici, les aménagements que j'ai faits, ce sont des étagères. Oui, alors je suis devenue une fan inconditionnelle des conserves. J'en fais à gogo. Arrêtez-moi, si vous pouvez. Non, non, mais voilà. Substitut de viande,
laitue, coulis de chocolat. Enfin voilà, on se prépare doucement pour l'hiver hein, chez Hugo. Mayonnaise aussi. Donc voilà, je suis en train un petit peu d'imaginer tout ce que je pourrais faire pour cette pièce. J'hésite encore. Ah d'ailleurs, bon Hugo, tu as faim, il faut que tu manges un petit peu. Criquet en popcorn, tu aimes bien ça. J'aime bien ça. Bon, faudra qu'on chasse les cafards après. Maintenant, on n'a plus de souris, mais on a des cafards. Et je voulais vous montrer à l'étage, j'ai aménagé un petit coin bureau pour Hugo, en récup, hein, bien sûr. Bon, il a aussi accroché ici une plume de canard que lui a apporté Réglisse, parce qu'elle chasse, bien sûr. Et ici, il s'est pris en photo un petit selfie qu'il a fait l'autre jour devant, je crois que c'est Sophie l'escargot. Oui, je crois. Et je lui ai pris ici un petit cahier, alors c'est un CC, je vous mets le nom du créateur ici juste là, et puis vous aurez tous les liens en description. C'est un cahier qui permet d'écrire comme si on avait un ordinateur. Et je trouve ça génial parce que Hugo a débloqué la possibilité d'écrire des livres de recettes vie simple. Alors je trouve ça vraiment génial parce que ça colle parfaitement à sa nouvelle vie, et je le vois bien écrire des livres de recettes vie simple. Voilà. Et enfin, la dernière nouveauté que vous avez aperçue dans le machinima, c'est l'achat d'un petit balai. Alors, qui est un CC également. Item, je vous mets le nom du créateur, le lien en description. C'est un balai moderne en bois, car je ne pouvais pas prendre un aspirateur, ce n'était pas possible. Et donc, Kimiko Soma en a fait la traduction, donc j'ai le plaisir de l'avoir en français. Et vous pouvez tout à fait passer le balai ici, c'est ce qu'on va faire. En plus, ça tombe bien. L'animation est vraiment très sympa, on s'y croirait. Il y a un petit bruit, vous allez voir. Il y a un petit nuage de poussière qui se forme. C'est juste parfait. Allez, démonstration. Et voilà. Regardez-moi ça. Ce petit bruit, ce petit nuage de poussière. Alors, Hugo est peut-être un peu raide hein, avec son balai, mais je trouve que c'est vraiment très sympa. Il aurait dû y avoir un balai hein, dans ce kit. On aurait dû avoir un peu plus que simplement des aspirateurs. Et ce balai fonctionne que vous ayez le kit Aspi ou pas d'ailleurs. Hein. Il est compatible base game. Hein. Alors aujourd'hui, la particularité, c'est que c'est la nuit des étoiles. Donc Hugo, en fin d'après-midi, mais d'ailleurs on y arrive déjà, hein, ça passe très très vite, ne devrait pas tarder à aller au camp de la cascade pour observer les étoiles. Il va peut-être se changer d'ailleurs et prendre une bonne douche. Alors j'aime bien parce que Réglisse, elle se met parfois sur ce petit banc. Elle vient aussi se mettre ici, hop, tranquillement, sur ce petit rondin là. Oh, et je voulais acheter, alors c'est ce qu'on va faire maintenant, pendant qu'Hugo prend sa douche, un panneau photovoltaïque. Ça coûte cher, je crois. J'en ai mis deux, voilà. Je crois que c'est un des plus gros investissements là d'Hugo. Est-ce que du coup on a de l'électricité ou pas? Ou il faut un générateur avec? Ou il faut générer l'électricité? Faut attendre un peu? Je sais pas comment ça marche les panneaux solaires. Je vois qu'ils sont en tout cas en fonctionnement, mais je n'ai jamais utilisé de panneaux solaires encore en jeu. Voilà, moi ce que j'avais, c'était dans la caravane de Nox et Alice. J'utilisais le compost et le petit générateur. Bon, on va aller récupérer les factures aussi. Bon, on va les payer, on a les moyens. Et puis Hugo, il va falloir te changer aussi, hein, parce que tu vas pas aller observer les étoiles, parce que je crois que tu vas retrouver Rami là-bas. Hein. Tu sais que c'est un peu à son initiative que tout le monde se rassemble là-bas. Est-ce que tu vas te faire beau? Non, de là à sortir ta chemise. Non, on va aller observer un peu le calendrier. Je pense qu'Hugo sortira sa belle chemise rouge qu'on lui a déjà vue pour le bal des Lucioles. À moins qu'il ait une nouvelle tenue ici, qu'il ait fait les boutiques à Enford, je ne sais pas. Oh, et je voulais récolter aussi enfin ces petits champignons que j'ai plantés là. Tout récolté. J'ai toujours pas réussi à avoir mes 12 œufs pour Kim. Et par contre, je suis retournée voir Michael Bell. Et donc, je dois lui livrer 6 champignons épicés. Donc voilà, je devrais les avoir. Je suis allée voir aussi Sarah Scott. Et il faut que je lui livre d'autres champignons. Mais voilà, je continue mes petites commissions. Hein. Ça me fait très plaisir de faire ça. Ah, ce foyer au réseau génère un surplus d'électricité. Yes! Ouais, c'est génial. Hugo, tu vas pouvoir faire de la pâtisserie. Oh, génial. Oh, mais je suis refaite. Et alors, vous savez quoi? J'ai vu aussi que je pouvais améliorer ici. Voilà, j'ai des améliorations pile à combustible. Voilà, je pense que je vais faire ça, mais il faut qu'il ait le niveau 2. Donc, prochain objectif, augmenter la compétence
Bricolage, monsieur. Il va falloir faire marcher ses petits muscles pour bricoler. Prends des notes, c'est ça, tu as raison. Allez, on se change et on va au camp de la cascade. Nous y voilà. Alors, je vous avoue que j'ai un peu peur qu'une pluie d'astéroïdes s'abatte sur ce petit camp ce soir si tout le monde se met à regarder dans les télescopes. Mais bon, hein, on va croiser les doigts. Alors, bien sûr, dans les événements, il n'y avait pas la possibilité de rajouter « regarder les étoiles », mais j'ai imaginé, pour cette petite tradition, le barbecue, faire un feu, prendre des résolutions, parce que quand on voit une étoile filante, eh bien, on fait un petit souhait. Et puis raconter des histoires, mais Hugo ignore cette tradition. Voilà, il discute avec Rami et il y a déjà un petit bout de barre rose parce que Hugo a eu un petit élan un jour au bar envers Rami et elle a plutôt été très très réceptive. Donc voilà. Alors, qui nous avons là ? Donc, Hugo, je pense que tu vas plutôt aller nous griller des choses, des côtes de porc. Voilà. J'imagine bien que tu es venu avec ton petit panier. C'est gentil, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu nettoies ? Alors, oui, donc lui, c'est Derek Macmillan. Ah bah, il faudra qu'on se présente parce que je suis pas sûre qu'on le connaisse. Donc, c'est le conjoint de Yann. Allez, c'est parti, Hugo. Là, t'es dans ton élément. Donc, bien sûr, Rami, c'est un peu la chef de file. Oh, bah, elle est déjà en train d'observer les étoiles, chacun dans son petit coin. Elle est venue avec ses enfants. Alors, elle est venue avec les jumeaux. Je me rappelle jamais de leur prénom. Oh, bah, regardez, mais qui... Rachida, si elle est venue. La seule raison pour laquelle elle est venue, c'est parce que Raoul Chopra, il aime beaucoup venir observer les étoiles. Comme vous le savez, il a une petite tendance à rêver d'ailleurs. Et il voudrait peut-être quitter Enford et donc pas observer les étoiles, c'est un peu une manière de s'évader. Et oui, Rachida, elle a un crush puissance 10 000 sur Raoul. Hein. Il est un peu plus âgé et on peut imaginer qu'il vient de finir le lycée et que Rachida est encore en première ou en terminale. Mais voilà, je peux rien faire, hein, je les contrôle pas du tout. Donc les petits s'appellent Imran et Maïra, voilà, ce sont les jumeaux de Rami. Alors, le soleil va bientôt décliner. Oh, tes côtes de porc, Hugo, tu pourrais les poser sur la table quand même. Tu pourrais peut-être te présenter. Alors, Michael Galantôme aime aussi venir observer les étoiles. Est-ce que c'est parce que Cecilia accompagne son beau-père Derek ? Je ne sais pas. Je pense qu'Hugo est très observateur et qu'il a remarqué qu'entre Michael et Cecilia, il pouvait y avoir quelque chose. Je suis sûre qu'il aurait envie de jouer les entremetteurs, ça ne m'étonnerait pas. Après, on passera aux choses sérieuses, c'est-à-dire observer les étoiles, faire un petit feu de camp. Voilà, j'ai rajouté des couvertures, peut-être un petit bain de minuit, qui sait, pour les plus audacieux. Voilà, il y a des tentes, hein, si jamais on reste dormir, parce que c'est vrai qu'on est quand même sur les hauteurs d'Enford. Il a fallu marcher pour venir jusqu'ici. Hein. Tu pourrais peut-être, dans le genre amical, autre Sims, faire l'éloge d'un autre Sims. C'est-à-dire, tu vas faire l'éloge de Cecilia, pourquoi pas. L'air de rien. Michael, tu connais Cecilia, hein ? Elle est sympa, hein ? Tout le monde apprécie le pique-nique, en tout cas. Oh, bah, elle s'en va. Ah. Mais oui. Waouh, Hugo, je n'avais pas réalisé que vous appréciez autant Cecilia. Elle semble être de bonne compagnie. Je discuterai bientôt avec elle. Oui, mais je crois que entre eux, hein, il pourrait y avoir quelque chose. Mais ouais, il n'est pas très à l'aise, hein, Michael. Bon, j'ai l'impression qu'ils ne se quittent plus là, les deux, mais en même temps, ils parlent avec tout le monde et ils n'osent pas se parler. Allez, je pense qu'il est temps de venir observer un peu les étoiles. C'est dommage que vous ne puissiez pas regarder ensemble. Alors, qu'est-ce que tu vas voir, Hugo ? Je crois qu'il faut que je te surveille parce que j'aurais un peu peur. Il t'arrive quelque chose, hein ? Qu'est-ce que tu vois ? Moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est que tu discutes aussi un peu avec Rami. J'aime bien voir tout le monde s'amuser. Ah bah dis donc, elle arrive, Rami. Je pense que tu pourrais lui proposer, amical, de regarder les étoiles. Parce que les télescopes, c'est bien pour regarder les étoiles. Mais je pense que s'installer sur une couverture... Ah, voilà ! C'est exactement ce que je voulais. Ah, vraiment.
Vous êtes pas bien là, tous les deux, mais si. Je pense que Hugo, il prend du bon temps là. Et puis Rami doit lui expliquer un petit peu les constellations. Elle s'y connaît, hein, plutôt elle. Je suis sûre que ça pourrait être le genre de personne aussi à tirer les cartes un petit peu, Rami, à faire un peu de divination. Je sais pas pourquoi, mais je la vois bien faire ça. Bon, Hugo et Rami profitent, regardent les étoiles. Pendant ce temps-là, il y en a qui jouent avec le fer à cheval. Tiens, est-ce que Rachida est prête à tenter un petit quelque chose? En tout cas, c'est vrai que Raoul, ça donne envie de jouer avec lui, hein, ce petit relooking de Simpson the Rapper. Il est plutôt séduisant comme ça. Mais il fait assez jeune quand même. Je trouve qu'il a bien respecté son côté ado. Bon ben, ils sont dans leur petit monde tous les deux, hein. Bon, je suis pas sûre qu'il se passe quelque chose, en tout cas, pour l'instant. Mais c'est vrai que Hugo, il est sur un petit nuage, là. Il est déjà 2h20 du matin. Oh, puis tu as froid, mon pauvre. Bon, c'est peut-être le moment de rentrer, hein. C'est vrai qu'en pleine nuit, cet endroit est sympathique, quand même, à côté de la cascade. C'est assez éclairé par ici. Alors, il faut pas laisser de saleté, hein. Moi, j'aimerais bien que tout le monde range, parce que, voilà, bon, j'ai voulu imaginer qu'il y avait quand même pas mal de passages dans cet endroit et que les poubelles n'étaient pas ramassées tous les jours, hein. Mais il faut pas laisser ses déchets partout non plus, hein. Bon, allez, les gens s'en vont, Hugo. Toi aussi, tu vas partir. C'est vraiment la fin de cette petite soirée, de cette petite nuit des étoiles. Allez, tu n'es vraiment que fatigué, donc on va aller au lit. Alors, tu vas peut-être nourrir quand même Réglisse. Remplis sa gamelle, petite Réglisse. Oui, ma petite. On remplit la gamelle et on va se coucher. Je vérifie quand même que Clara est toujours là. Oui, c'est bien. Ouf. Bon, faudra qu'on reprenne un coq. J'aimerais bien avoir des poussins, un peu plus de poules, un peu plus d'œufs surtout. Mais j'ai l'impression que mes légumes grossissent. Hein. C'est plutôt pas mal. Bon, on a du taf qui nous attend pour demain. Ah, Hugo est heureux. Bon, il faut jouer à la loterie. Mais le problème, c'est que on est... Oh, mais non, on a le réseau. Tu peux... Ah là là, c'est génial. Alors attends, c'est où la loterie? Imagine, tu gagnes des millions de Simflouz. Ah bah là, on serait vernis. Mais j'aurais le droit de les accepter, hein, et puis s'il plaît quand même. Si je les gagne. Tiens, qui voilà? Voilà GG. Il vient très souvent, GG. Oui, et du coup, aujourd'hui, enfin ce soir, en fin d'après-midi, Hugo est invité à dîner chez les Galantômes. Et donc, nous allons nous y rendre, mais en fait, nous n'allons pas aller avec Hugo, c'est que je vais aller jouer avec le foyer des Galantômes pour inviter Hugo. Je trouve ça assez sympa quand on joue avec un personnage principal, voilà, qu'on considère comme notre héros, hein, en quelque sorte, d'aller en fait jouer avec lui, mais dans une autre perspective, c'est-à-dire avec un autre foyer, et de le rencontrer. Enfin, je trouve que ça permet de donner un peu de piment au jeu, une autre dimension, et ça évite de se lasser aussi. Donc voilà, on découvrira Hugo en invité chez les Galantômes tout à l'heure. Eh bah, ben tout va bien, hein, j'ai l'impression. Hein. Pfiou, rêve de richesse, tu m'étonnes. Autonome, merveilleuse nature, j'adore le jardinage. Eau locale et durable, c'est parfait. Je crois que vraiment là, on est pas mal. Hein. Allez, GG, tu pourrais donner un coup de main. Il a donné un coup de main pour le ménage, mais pourquoi il n'y a pas pour le jardinage? C'est dommage. Il peut parler en même temps qu'il jardine? Je sais pas. Oui. Bon allez, pendant que Hugo termine de s'occuper de son potager sous le regard bienveillant de notre GG, eh bien, nous allons retrouver les Galantômes qui se préparent à l'accueillir pour le dîner. Nous voici chez les Galantômes, dans leur ravissante maison de village. Alors, c'est un plaisir de jouer avec eux aussi. Je vous refais visiter rapidement la maison. Voici, hein, donc une petite entrée ici, qui dessert d'un côté le salon salle à manger, avec son poêle. D'ailleurs, il fait chaud, ils l'ont allumé. Bon. Une grande cuisine rouge. C'est peut-être de là que vient la passion pour le rouge, pour Sonia Gothic. Et puis, avec un petit coin buanderie, ici, un sanitaire. La petite véranda de Jocaste dédiée à ses plantes. Il y a aussi un petit espace potager. Mais ici, elle fait aussi pousser beaucoup de choses dans ses serres. Et puis, à l'étage, je ne sais pas si je vous l'avais peut-être montré rapidement, il y a donc la petite salle de bain, la chambre de Michael, tout ce qu'il y a de plus simple. Il a un petit frigo, sa télé, voilà, un peu de récup. Hein. Bon, quand on est déjà adulte et qu'on vit chez papa-maman, on se contente de peu. Hein. Il n'a pas de loyer à payer déjà. Ça, c'était la chambre de sa sœur qui est partie.
Et ici, il y a donc la chambre de papa et maman, avec ici un petit coin armoire, le petit bureau de Bruno et puis la petite coiffeuse de Jocaste. Alors, j'ai fait pas mal de photos, je vais faire pause. Voici une photo de leur mariage. Regardez comme ils sont beaux. Alors, c'est aussi pour ça que j'ai pris beaucoup de temps avant de tourner cet épisode, parce que j'avais envie d'avoir ces petits détails en jeu. Donc, j'ai rajeuni Jocaste et Bruno. Ça m'a permis de prendre ces jolies photos. Regardez comme Jocaste est ravissante, vraiment. J'ai d'autres photos encore au rez-de-chaussée, je vais vous les montrer. J'ai voulu vraiment faire un bel ensemble, donc des photos de leur mariage. Vous voyez ce look un peu années 70, je trouve que ça lui va particulièrement bien. Ici c'est Alexandre Gothic, hein, notre petit scout, et vous avez ici donc les enfants, Sonia, vous l'avez reconnu, et puis Michael, hein, quand ils ont été diplômés. Donc la particularité, c'est que Sonia a été diplômée de Brightchester et Michael est allé lui étudier à Foxbury. Voilà. Et là, c'est une image donc de Sonia et Vladimir, plus jeunes, et une petite photo aussi de Cassandra avec son petit frère Alexandre. Voilà. Alors, il n'y a pas encore de photo ici du petit Victor ou de Wolfgang, voilà. Il manque de photos. Ah, et ça, c'est Sonia et Michael quand ils étaient tout gamins dans le jardin de leur maman. Voilà, ils étaient assez complices tous les deux. Donc voilà, j'aime beaucoup ce petit ensemble de photos. Je trouve que ça rajoute une petite touche très personnelle à leur maison. Vous vous mettez tous les trois sur le canapé, mais Jocaste, c'est peut-être le moment d'aller préparer le dîner. Alors d'ailleurs, on va le programmer parce que sinon, nous allons ajouter un événement, un dîner. Donc on ne peut pas faire d'objectif puisqu'on est déjà un jour férié, mais c'est pas grave. Les hôtes, ben c'est nous. Et nous allons inviter, où est-ce qu'il est ? Hugo ! Ah, il faut au moins deux invités ? Qui c'est que vous pourriez inviter ? Oh bah Cécilia, allez, ça pourrait être sympa. Bah, il n'y aura pas de traiteur, hein. On va faire ça ici, la résidence Galantôme. Et on va dire, il est quelle heure? Il est 17h, on va dire pour 19h. Parce que sinon, elle n'aura jamais le temps de cuisiner, Jocaste. Mais je pense que, voilà, je me disais bien que Bruno, il adorait cette tradition. Il va aller se prendre un petit ticket de loterie sur son ordinateur. Tiens, tu peux te remémorer, contempler. Viens contempler les photos. Et puis notre invité ne devrait pas tarder. Allez, Jocaste. Vous verrez que je joue de temps en temps avec eux. C'est assez sympa parce que du coup, Jocaste, elle peut aller ici donc dans le petit fleuriste hein, que j'ai imaginé pour travailler ses compositions florales. Elle est à la retraite, hein, Jocaste. Contrairement à Bruno qui, lui, travaille encore. Donc, il est toujours professeur. Hein. Et donc, comme je disais, Michael Galantôme, il est coach sportif. Se déplace à domicile pour vous aider à développer des bras étonnamment sculptés. Ça fonctionne, hein. Enfin, j'espère que ça va fonctionner. Et donc, toi, tu viens, tu fais comme chez toi. Agatha, la dentelle. Mais non, au revoir. Hein. Just go away. Et hop là. Allez, le dîner va bientôt commencer. Dis donc, Jocaste, on avait dit qu'il fallait cuisiner, là. Tu viens terminer ton poulet? Allez, sinon on n'aura rien à manger là. Et en plus, pendant ce temps, Michael, il nous fait des toasts au fromage. Allez maman, on se dépêche de terminer la cuisine là. Pourquoi tu t'arrêtes? J'ai l'impression qu'en ce moment il y a un bug. Mais... Oh, et voilà, ça recommence. Reprendre, ça le temps. Mais non, tu peux pas. Oh non, c'est pas possible. Bon, allez, cuisine-moi autre chose. Préparer un grand repas. Un dîner avec du jambon. Allez, vas-y. Je t'ai demandé de mettre le couvert. Tu peux pas mettre la table contractée rouge? Non, ça te saoule. Je suis désolée, hein, mais c'est pas grand-chose. Hein. On a nos invités qui sont arrivés. Non. Qui c'est qui vient faire le tour de la maison, là? C'est la dentelle. Miss la dentelle. Et toi, je t'ai pas invité. Ah, regardez. Bon, toi, tu just go away pendant que nos invités arrivent. Oh là là. Ah, Hugo, il vient tout de suite à la cuisine. Mais c'est pas possible. Oui, ça sent bon ici, hein, je suis d'accord. Alors, peut-être que, Michael, tu pourrais quand même remercier d'être là, Cécilia. Remercier Hugo d'être là. Et je pense que, aussi, pour Bruno, ça va être l'occasion de faire connaissance avec ce petit nouveau. Il a mis sa chemise rouge, d'ailleurs, Hugo, vous avez noté. Ça va être le vrai interrogatoire par Bruno Galantôme. Hop, Jocaste va appeler à table. Annoncer le grand repas.
Allez tout le monde. Non, non, Hugo, qu'est-ce que tu fais? Bon, bah je le contrôle pas, mais c'est un petit curieux qui est monté à l'étage. Allez. Il est peut-être allé se laver les mains, remarquez. Très poli. Vous aurez remarqué hein, que Michael, il a toujours une casquette. Hein. Hugo, ce serait poli de redescendre maintenant. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, Agnès, la dentelle? Je t'ai pas demandé de venir à table, toi. Ah, hein. Oh, parfait. Allez, Hugo. Ah, très très bien. Ça, c'est un bon dîner. Avec. Nous avons Agnès la dentelle qui est venue prendre son assiette et qui dîne sur la terrasse. C'est tout à fait normal. Écoutez, tout se passe très bien. Je pense que Jocaste et Bruno, ils connaissent la petite Cécilia depuis qu'elle est toute petite. Hein. Ils se sont toujours dit que leur fils et elle finiraient ensemble, mais ils voient toujours rien venir, alors ils comprennent pas trop. Pourquoi? Leur fils a toutes les qualités. Hugo aussi, il a bien senti. Hein. Elle a même pas eu le temps de faire un dessert. Pourtant, je voulais qu'elle fasse un dessert. Oh, il est parti à l'ordinateur. Oh, qu'est-ce qui va pas? Oh, mince, c'est vrai qu'elle est végétarienne. Oh là là, j'ai complètement oublié. Ouh, il y a de l'amour dans l'air. Bon, vous savez quoi? Je pense que nous allons laisser, pardon, les vieux à la maison. Mais qu'est-ce qu'elle vient faire là? Mais Agnès! Oh non, mais c'est parce qu'il a dragué sa femme. Non, mais t'exagères quand même. Tu viens jusque chez nous donner des coups de sac? Ah oui, d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais Jocaste et Agnès, elles ne peuvent pas s'encadrer. Elles ne s'aiment pas du tout. Parce que, bon, vous savez qu'Agnès vend des fleurs. Donc, et puis, bah, c'est aussi un peu les plates-bandes de Jocaste. Enfin, voilà, toutes les deux ne s'apprécient pas du tout. Je suis désolée, Jocaste, de t'avoir fait manger de la viande. Vous savez quoi? Je crois que les jeunes vont aller au bar pour finir la soirée. Ça me semble pas mal. Oh, regardez, des Agnès la dentelle. Il y en a partout. Elles sont combien? Ah! Bon, nos trois compères se sont posés avec une pinte pour terminer la soirée. J'aime faire ce genre de petites parenthèses quand je joue longtemps avec un même foyer. J'espère que Hugo saura encourager Michael à inviter Cecilia au bal des Lucioles. Vous vous en doutez, c'est le prochain événement que nous vivrons à Enford. Alors peut-être pas seulement avec Hugo, j'aimerais bien contrôler un peu plus de monde pour développer encore plus d'histoires et de relations. Mais bon, hein, c'est un peu comme l'expérience des mariages. J'espère qu'on arrivera à jouer un bal champêtre digne de ce nom. En tout cas, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous!